été une bonne surprise pour eux la saison passée. Les supporters ont hâte de voir comment leur équipe va se comporter. Et ce match qui est bien sûr très attendu, Pierre. Entre deux très bonnes équipes et des joueurs de talent de part et d'autre, techniquement c'est vraiment pas mal. On espère que le spectacle sera au rendez-vous. Ce sont les Brésiliens qui donnent le coup d'envoi. Peut-être un contre à amorcer avec cette récupération au milieu de terrain. Busquets. Luis Suarez. Suarez. Luis Suarez. Oh, but de Luis Suarez. Allez, il va falloir qu'ils se réveillent parce qu'ils ont encaissé un but dès le début du match. Piqué. Nelson Semedo. Busquets. Casemiro. Ah, facile la récupération. Léo Messi et un deuxième but pratiquement dans la foulée du précédent. Ils accentuent leur avance. Le score qui est désormais de 2-0. Casemiro. Ah oui, le bon tacle. Lionel Messi. Allez, le contre, il faut aller vite maintenant. Ah, il a mal lu le jeu en déclenchant son appel. C'est un hors-jeu. Dani Alves, un petit mot sur ce joueur, Pierre. Typiquement le genre de joueur qui se projette vers l'avant, mais qui ne se replace pas toujours en défense. Ouais, et puis du coup, ça oblige un partenaire en défense à faire le boulot pour lui. Paulinho. Dani Alves. Et il a bien lu le jeu sur cette interception. On va quand même regarder cette touche des Brésiliens. On n'est pas loin du but. Bon, c'est quand même incroyable de perdre le ballon aussi vite sur une touche. Jordi Alba. Allez, Marc qui est trouvé sur l'aile. On va quand même regarder cette touche des Brésiliens. On n'est pas loin du but. Gabriel Jesus. Et la voilà, la frappe. Pas de souci pour le gardien qui a bien conservé ce ballon. Gabriel Jesus. Et il ne passera pas. Bonne interception. Le ballon est sorti. Touche pour le Barça. Lionel Messi. Coutinho. Ah, il donne le tournis au défenseur. Il leur fait tout là. Et là. Le Brésil va récupérer la touche. Très bonne lecture du jeu sur cette interception. Neymar. Ah, c'est une perte de balle. Et il centre. Le gardien qui nous sort un arrêt de grande classe. C'est un centre. Ah, c'est pas très bien centré. Le défenseur est le premier sur ce ballon. Et ballon perdu dans sa propre moitié. Attention. Messi. Excellent plongeon du gardien sur cette action. Corner concédé par le Brésil. Il a du soutien. Là, quand le public prend quelqu'un en grippe, ça tourne à l'acharnement. Hein. Gabriel Jesus. Coup franc hein, contre Barcelone. Et c'est donc un carton jaune. Hein. Oula, attention, l'arbitre a la gâchette facile. On revoit cette intervention défensive irrégulière. Sur ralenti, on se rend mieux compte à quel point il est en retard sur son intervention. Le ballon en touche, le Barça qui va récupérer la balle.
L'arrêt du gardien, au ralenti. Il est bien sur ses appuis au départ du ballon, donc l'intervention est belle. Merci. Et le ballon est récupéré par Daniel Alves. Ousmane Dembélé. Coutinho. Paulinho récupère ce ballon dans l'entrejeu. Neymar. Ouais, les Barcelonais sanctionnés, c'est un coup franc. Et l'arbitre qui siffle faute. Carton jaune. Coutinho. Il a choisi de centrer. Se sent... Oh, l'occasion! Oh non, il gâche un peu cette occasion. Si vous voulez mon avis, il n'a pas choisi la meilleure option. Hein, parce que le jeu, c'était pas là. Ah, la passe mal ajustée. Il récupère un ballon facile. Gabriel Jesus. Voilà, c'est la sang brésilienne, toujours accrochée ici, alors qu'on n'est pas très loin de la mi-temps. Coutinho, un magnifique plongeon, un but tout en finesse. Le but au ralenti. Le gardien qui est un petit peu malheureux sur cette action. La première parade n'a pas suffi et derrière, le buteur est idéalement placé pour la mettre au fond. Un petit but d'avance donc, le score est de 2 buts à 1. Ouais, bien joué la talonnade. Oui, attention, Luis Suarez. Ah oui, le bon tacle. Ouais, belle passe. Et le ballon parti très loin, c'est dégagé. Le Brésil va récupérer la touche. Neymar. Ousmane Dembélé. Merci. Sur la frappe, pas de problème pour le gardien. Ouais, bien joué la remise. Neymar. Il travaille bien son ballon et il marque en finesse. Ah, il est en jambe aujourd'hui, hein. C'est son deuxième but dans ce match. Luis Suarez qui place une accélération au bon moment, la défense est à la rue. Et le score qui est maintenant de 3 buts à 1. Un ballon trop facile à reprendre finalement, perdu stupidement. Luis Suarez. Buts à 1, ce sera le score à la pause. Ah, on a déjà eu beaucoup de buts hein, en 45 minutes. Une première période délicate hein, pour eux sur le plan défensif. C'est vrai que la défense ne s'est pas montrée à son avantage. Elle a éprouvé beaucoup de difficultés face aux attaquants. Ah, le score le montre. Hein.
À la seconde période qui démarre, le FC Barcelone qui mène au score pour l'instant. Le ballon, ouais, il a mal lu le jeu en déclenchant son appel. C'est un hors-jeu. Busquets. Nelson Semedo. Ça s'agite autour de l'arbitre. Que va-t-il faire? Dembélé. Paulinho. Bonne lecture du jeu, hein, sur cette interception. Coup franc, hein, contre Barcelone. Marcelo. Neymar. Ah, facile la récupération. Il va y aller. Ah, c'est contré. Suarez, Marquinhos, Neymar, Marcelo. Oui, il a du soutien. Oui, la frappe. Un superbe exploit du gardien sur ce plongeon. Allez, duel avec Dani Alves. Parce que cette faute va lui valoir un avertissement. Samuel Umtiti. Il cherche Messi. Paulinho. Piqué. Paulinho. Corner pour le Barça. Sergio Busquets. Dani Alves qui préfère dégager. Oui, il a un peu d'espace. La frappe. Ouais, l'intervention là, le tacle glissé. Nelson Semedo. Ousmane Dembélé. Marcelo. Coutinho. Et l'entraîneur qui a demandé à ses joueurs de jouer le hors-jeu. Une tactique qui peut s'avérer payante quand on joue à l'extérieur. Merci. Non, ça ne passera pas. Et ça donne un corner pour le Barça. Un long ballon, loin devant. Le ballon qui va arriver dans la surface. Neymar. Ils veulent faire bouger la défense avec ce très bon redoublement de passe. Ah, il a levé son ballon pour Neymar. Casemiro. C'est pour le gardien, ce ballon. Allez sortir, bien joué. Ousmane Dembélé. Peut-être un contre à amorcer avec cette récupération au milieu de terrain. Ballon pour Neymar sur l'aile. Que va dire l'arbitre qui lui a déjà mis un jaune tout à l'heure. Et voilà, il avait été averti. Et là, c'est son deuxième jaune et c'est donc bien sûr un rouge maintenant. Il a commis la faute de trop et maintenant, c'est toute son équipe qui est pénalisée.
Ouais, pas de souci. Le gardien qui capte bien ce ballon. Oh, le ballon dangereux. Ouais, la récupération pour l'assistant. Luis Suarez. Il opte pour le centre. Ouais, l'arrêt du gardien, sans souci. Il est dépossédé du ballon par Marquinhos, c'est à la régulière. Sergio Busquets. Là, il est à la récupération au milieu de terrain. Neymar. Il est là pour récupérer ce ballon. Luis Suarez qui laisse sur place son défenseur. Très bon ballon. Oh, le but peut-être. Et le but signé James Rodriguez. L'équipe qui a l'image de son gardien est quand même en train de craquer. Ouais, là, l'écart s'est creusé. Hein. Même plus un sursaut d'orgueil qu'il va falloir là. Un bond d'orgueil. Bon, je crois qu'il n'y a plus vraiment de suspense. Hein. Neymar. Coutinho. Attention à ne pas commettre de faute. Choisit la frappe. Ah, c'est hors cadre, mais de peu. Neymar. L'arbitre a vu la faute commise par le joueur du Barça, coup franc. Oula, il était pas très loin du rouge là, non? Oui, ben là, il faut faire attention. Hein. C'est pas la première fois que l'arbitre les sanctionne. Luis Suarez. Casemiro. Un tacle plein de dureté et d'intensité. Il récupère le ballon. Et ce match qui se termine donc à l'instant même. Voilà, la rencontre est terminée, les joueurs qui quittent le terrain avec le masque bien sûr.